Good morgen, allez, Iden les sucres aujourd'hui, le Nishmat Esther, Bet Myriam, Moshe Michel, Ben Machlouf, Yaakov, Ben Levana, Ve Yosef, Akab, Peggy, Bat Esther, et Robert Baruch, Ben Jamil, Tahab. Si vous souhaitez aussi des deux prochaines études de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étions aujourd'hui, Maserhet et Rubin, Per Exaïn, Mishnah Yudalef. Noten Adam Ma'al, Achen Vani, Velanachtom, Kede, Sheizke, Lo, Eruv. Divrei Rabbi Eliezer. Mishnah relativement simple dans les principes, il va y avoir une difficulté de lecture. Si vous avez cette édition des Mishnah avec tous les Mefarshim, vous allez voir une longueur du Tosot Yom Tov qui se casse la tête. Il y a des grandes imperfections dans les mots qui posent problème et dans le Barthénora. On essayera, on présentera le Mishnah Bezat Hashem très simplement. Il y a deux sujets. Le premier, c'est Noten Adam Ma'al Achenvani Velanartom Kede Sheizke Lo Eruv. Je traduis. Un homme peut donner une pièce à un Achenvani, à un vendeur de. Comment dire, d'épicerie, donc du vin, velanartom, ou au pâtissier, au boulanger, kedei sheizke lo eruv, afin qu'il lui fasse acquérir un eruv. Entre parenthèses, si on parle d'un épicier, donc on parle de vin, on parle de chitouf, mais vohot, s'associer dans le mavoï, dans l'impasse, et si tu parles de nartom, tu parles de pain, donc en fait, tu fais le temps que le principe sera le même aussi, si tu veux faire un eruv, chatzerot. C'est le même principe, puisque pour chitoufer mes votes, on prend du vin, on peut prendre du vin, ça suffit, tandis que pour les rovechatzrot, il faut prendre du pain nécessairement. Et donc, tu lui donnes une pièce pour que par ça, il va te faire acquérir le hérouve. On va expliquer après c'est quoi, bien sûr, mais j'avance pour le moment, dit Rabbi Lézer, tel avait de Rabbi Lézer, tandis que Chachamim disent non, l'ozachulom otav, son argent n'a pas fonctionné. Mais malgré tout, ou modim bichar koladam chez Zachulom otav, et Chachamim reconnaissent que la lacha sera juste, par contre, si on est affaire à d'autres personnes qui ne sont pas des épiciers ou des boulangers, que si on lui donne l'argent, alors on aura acquis le hérouf. Et je m'arrête ici, bien qu'apparemment ce soit en plein milieu d'une phrase, mais on expliquera que ce n'est pas du tout en milieu d'une phrase. Le Cheyenne, on commence un nouveau sujet. On est pour le moment dans une partie qui touche aux lois du Roshen Mishpat, faire un acte d'acquisition. Ceux qui en sont avec nous depuis Nézikin, ils se souviennent sûrement que pour acquérir un objet, depuis Bamel Tzia, dans Perek Hazav, alors on expliquait que pour acquérir un objet, si je veux vendre ce stylo à quelqu'un, eh bien, donc, je vais lui fixer 10 shekels. Il va me donner 10 shekels, et il va prendre l'objet. À quel moment précis il acquiert l'objet? Alors on apprenait que ce n'est pas au moment où il paye, c'est le moment où il va prendre le stylo. S'il prend le stylo avant d'avoir payé, il a acquis le stylo. S'il va payer alors qu'il n'a pas encore soulevé le stylo, il ne l'a pas pris, pour lui, il a fait l'akbar. Alors, pour le moment, il n'a pas acquis le stylo. L'argent n'acquiert pas. Ne fait pas l'acte d'acquisition dans les biens mobiliers. Pardon. D'accord? L'argent ne fait pas l'acte d'acquisition. Selon ce principe, maintenant, on parle que il y a le boulanger qui fait du pain pour toute la cour, pour toute l'impasse, pour tout ce que vous voulez. Et moi, je vais aller le voir, je vais lui dire, tu sais, aujourd'hui, normalement, il va y avoir le responsable du hérouf de ma cour, de mon impasse, il va venir te voir et puis il va vouloir acquérir le pain. Donc, chaque habitant, il va devoir payer sa cotisation pour qu'il va, lui faire un pain spécifique ou bien s'associer dans la valeur du pain. Tiens, je te donne pour le moment 10 shekels, comme ça, moi j'ai payé ma cotisation pour le pain du mois. D'accord? Comme ça. Quand il va venir après l'ami, alors tu diras, viens, je vais te donner un pain, un gros pain, pour les 5 habitants de la cour, tiens, je te le donne le pain. Il va lui donner, il va l'acquérir, de faire un acte d'acquisition pour faire une zriya, c'est-à-dire par un intermédiaire, par une tierce personne. Quelqu'un qui, n'importe qui, peut faire un acte d'acquisition par une tierce personne. C'est des dîners de shlichut. D'accord? Donc, c'est ça la scène pour le moment. Donc, ça se passe comme ça. Vendredi après-midi, il va y avoir le délégué du Hérouv qui va venir le voir, qui va prendre un pain et qui va l'acquérir. Le Khenvani, lui, ou le boulanger, il va lui dire, tiens, je te acquiers pour tous les habitants de la cour. Voilà. Il y a un problème technique. C'est que moi, qui ai payé mon pain,
Alors, on a un problème technique. C'est que le Khenvani et moi-même, on est tous persuadés que depuis le moment où j'ai payé, alors j'ai déjà acquis le pain. Or, je n'acquiers pas depuis le moment où j'ai payé le pain. Puis ensuite, lorsqu'il va venir le déléguer, le Khenvani, il va pas, le boulanger, il va pas penser à moi. Parce que lui, il va dire, bon, c'est-à-dire, je m'explique. Imaginez, on va laisser ça plus concrètement. On est cinq personnes dans la cour. Cinq personnes, cinq habitants. Maintenant, le boulanger, il est gentil, il peut faire aussi cadeau du pain. Il n'y a pas de problème. Malgré tout, il faut désigner, il faut que le pain appartienne à chacun des habitants. Donc, pardon. Donc, si on est, par exemple, cinq personnes, on va vouloir faire un Hérouv, il faut soit que chacun y amène un pain, soit on va prendre un pain commun pour nous tous, mais que quelqu'un va le soulever avec intention d'acquérir un cinquième pour chacun des habitants. Il faut faire un acte d'acquisition. Parce qu'il faut nécessairement être propriétaire du pain pour faire le Hérouv. D'accord? C'est une donnée de base. Selon ce principe, maintenant. Le délégué du Hérouv de la cour, il va aller voir le boulanger, il va lui demander, ben alors, donne-moi un pain pour tous les habitants de la cour, et le boulanger va lui donner un pain. Et il va l'acquérir pour tous les habitants de la cour. D'accord? Ensemble, ils vont faire l'acte d'acquisition. Ils vont faire cadeau pour tous les habitants qui n'ont pas cotisé. Donc il va prendre le pain, il va le soulever. Mais moi, qui ai déjà payé mon pain, le boulanger, il n'a pas d'intention explicite pour moi. Parce qu'il pense que je l'ai déjà acquis. J'explique d'abord Chachamim, après on va arriver sur Rabbi Eliezer. J'explique la deuxième avis de la Mishnah. Donc moi qui ai déjà cotisé, on se retrouve avec un bug technique. J'ai voulu trop faire et puis j'ai tout détruit. Si j'avais rien fait, il aurait eu une intention de faire acquérir pour moi. Parce que j'ai déjà fait l'acte d'acquisition, il n'a plus d'intention pour moi spécifique. Parce qu'il pense que moi, je me suis déjà acquitté, je suis déjà propriétaire du pain. Donc il va faire un acte d'acquisition par l'intermédiaire pour tous les autres habitants, mais pas pour moi. Donc il s'avère que moi, j'ai pas mis mon pain dans les roues. C'est une situation bête, mais c'est comme ça. Je suis, en bon hébreu, je suis Nafal Ben Akisaot. Je suis tombé entre deux chaises. J'ai voulu m'asseoir, m'asseoir là, et puis hop, je suis tombé au milieu. D'accord? Et voilà. Voilà ce qui se passe d'après Chachamim. D'accord? Rabbi Eliezer, maintenant, il pense autrement. Il pense, c'est une halakha générale qu'on avait déjà vue aussi dans Khoulin, que pour tous les besoins de mitzvah, l'argent fait acte d'acquisition. Là, c'est un peu plus délicat à expliquer. Pardon. Désolé. Pour tous les actes d'acquisition, pour tous les mitzvot, en théorie, concrètement, c'est une discussion dans la Gemara dans le Mitzia. L'argent fait, selon la Torah, acte d'acquisition même sur le bien mobilier. Les Chachamim, pour certaines raisons, ont préféré annuler l'acte d'acquisition en payant pour le substituer par le fait de faire la Meshicha ou l'Agba, le fait de prendre l'objet, de le saisir, de partir. Du coup, Rabbi Eliezer pense que pour tous les besoins de mitzvot, tout ce qui concerne nos mitzvah, ben le fait de payer, Chachamim n'ont pas supprimé le fait que payer fait acte d'acquisition, d'accord? C'est le principe, c'est très simple. Du coup, on se retrouve donc. Selon Rabbi Eliezer, quand j'ai payé le boulanger, j'ai déjà acquis mon pain. Après, le boulanger, il va prendre ce pain-là, où il y a de quoi faire 5 morceaux, 5 pour, du pain pour 5 personnes. Moi, j'ai déjà mon cinquième qui est acquis. Et les 4 cinquièmes qui n'ont pas encore été acquis aux autres personnes, maintenant, ils vont faire l'acte d'acquisition. Ça, c'est d'après Rabbi Eliezer. D'après Chachamim, il y a un cinquième du pain que le Khanvani pense qu'il n'a pas besoin de faire l'acte d'acquisition parce qu'il est déjà à moi. Donc, du coup, il fait l'acte d'acquisition que pour les 4. Mais pour moi, il pense que c'est déjà moi, or c'est pas moi. Du coup, on se retrouve avec un pain, moi j'ai pas cotisé avec les invitants de la cour, d'accord? La Chachamim c'est son argent ne lui ont pas fait permis d'acquérir. Maintenant, malgré tout, au modim, Nish'ar kol adam chez Zachul Omaotav. Chachamim reconnaissent que par contre, si je suis pas parti voir le Renvani, le boulanger, je suis parti voir mon voisin. Et je lui dis, tu sais, c'est toi aujourd'hui qui va pétrir le pain. Tiens, moi aussi, je veux pas que tu payes toi gratuitement, je veux aussi payer ma part. Je veux participer et payer ma part pour que quand il va venir le voisin que tu vas donner le pain, que moi aussi je vais acquérir. Alors là, puisqu'on n'a plus affaire avec un commerçant, là, on interprète que l'intention du Renvani, ou l'intention plutôt du voisin, des deux, quoi, n'est pas que j'acquière le pain avec, grâce à l'argent, non. L'intention, il est juste que je le nomme. Délégué pour qu'il fasse l'acte d'acquisition par un intermédiaire, qu'il fasse la zriya par un intermédiaire, par un intermédiaire. C'est-à-dire, en fait, celui qui, toute sa vie, il fait du business, il vend du pain, lorsque je lui donne du pain,
son intention, elle est naturellement expliquée qu'il pense me donner le pain. Or, là, c'est une erreur, là, on est tombé dans la, on est tombé dans le panneau. On a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais quelqu'un que de nature, c'est pas un vendeur de pain, donc, quand je lui donne l'argent pour qu'il fasse le hérouv, pourquoi il reçoit cet argent? Pour faire le hérouv. Donc, quoi? Il reçoit cet argent pour, en fait, pour se sentir que il va accomplir une mission, où il reçoit de l'argent de moi pour accomplir une mission qui va être l'action d'acquérir. D'accord? C'est clair? Ouais. On avance maintenant. Maintenant, la suite de la Mishnah, c'est vrai que ça commence avec un shin, et qu'apparemment, un shin, ça veut dire qu'on est en train d'expliquer ce qu'on a dit auparavant, mais le très long Tosfot Yom Tov, il rapporte Rashi et Tosfot, et pour ensuite finir sur le Rosh, que le Rosh conclut qu'il faut dire que ça arrive parfois, le shin, il se traduit par un vav. Ve'en me'arvin adam et la médaton, on commence un nouveau sujet. On ne peut faire un hérouv. Le Bartonon n'explique pas comme ça, mais c'est très incohérent. Donc j'essaye même pas d'expliquer ça va être trop dur sinon. She'en me'arvin adam et la médaton. Ve'en me'arvin adam et la médaton. On ne peut faire un hérouv qu'en se concertant avec une personne. C'est-à-dire, on est en train de parler maintenant on continue avec les lettres de Zachia. Acquérir par un intermédiaire. Sachez que, si toutefois je marche dans la rue, je sais que vous avez besoin d'un stylo par exemple, je vois ce stylo par terre, qui est Efker, il a été perdu, et il y a eu Yéhouch, je peux le soulever avec l'intention de vous le donner. Il est déjà, dès le moment où je le soulevais, il vous appartient à vous, parce que j'ai fait une Zachia. Je l'ai acquis avec intention d'acquérir, et puisque c'est un 100% bénéfice pour vous, alors je peux acquérir même sans, même si vous ne m'avez pas nommé délégué, je me nomme moi-même délégué pour vous faire cette chose-là. D'accord? Cette bonne chose d'acquérir. Par contre, si je veux acquérir une chose, mais que ce n'est pas sûr que c'est une sriya sans route, que c'est un avantage, ça peut aussi être un inconvénient, c'est un petit peu embarrassant. Un avantage et un inconvénient. Dans ce cas-là, si j'acquiers, ben vous n'avez pas encore réussi à acquérir l'objet. C'est la grande règle qui va être apportée à la Mishnah. Zachin l'adam shelo befanav, ven chavin l'adam ela befanav. On peut faire un zchout pour quelqu'un, on peut faire une zriya, quelque chose qui est 100% bénéfice. Je peux l'acquérir pour vous, vous l'acquérirez. Mais quelque chose qui n'est pas sûr que c'est un bénéfice, parce que c'est vrai que vous gagnez sur ce front, mais vous perdez sur l'autre front, comme ce qu'on va voir l'exemple dans pas longtemps. Alors là, dans ce cas-là, j'ai besoin d'avoir votre avis. Pour pouvoir faire l'action pour vous. Sinon, si je fais l'action pour vous, ça ne marchera pas. À titre d'exemple, on va prendre un exemple simple. Je parlais d'un stylo, tiens. Donc, un stylo, si je trouve un stylo gratuit, je le soulève pour que vous l'acquériez, pour que ce soit le vôtre. Depuis le moment où je le soulève, c'est devenu le vôtre. Mais je le trouve en vente. Au lieu que ça coûte normalement 10 shekels, alors là, aujourd'hui, il coûte 5 shekels. Moi, je me dis, ah ouais, si c'est ça, je sais qu'il avait besoin d'un stylo, je vais l'acquérir pour vous. Mais je suis pas sûr que vous avez réellement besoin d'un stylo. Donc je l'acquiers pour vous. Maintenant, si vous n'avez pas besoin d'un stylo, vous écrivez jamais au crayon, vous n'avez rien à faire avec lui. C'est 5 shekels de jeter à la poubelle. D'accord? Donc c'est pas un route, c'est pas un 100% bénéfice. C'est possible que finalement ce soit quelque chose de plus contraignant. C'est pas un vrai avantage. Alors là, dans ce cas-là, ça c'est plus défini comme une zriya. Je ne peux, même si je vais l'acquérir avec intention de vous le donner à vous, depuis le moment où je le soulève, il ne vous appartient pas. Je peux ensuite me rétracter. Et après, je vais voir, je dirais, je l'avais acquis pour toi, mais finalement, j'ai envie de le garder. Et vous allez me dire, non, non, donnez-le-moi quand même, il sera pas le vôtre, parce que depuis le moment où je l'ai soulevé, c'est pas le vôtre. Pourquoi? J'ai pas fait, c'est pas une zriya, parce que c'est pas un 100% bénéfice. D'accord? C'est possible que ce soit plus contraignant, ça vous intéresse pas. Donc, dans ça, là, vous l'avez pas acquis. Je reviens maintenant sur notre Mishnah. Pardon. Il y a maintenant, pour faire un hérouv, comme ce qu'on a appris, il faut que le pain vous appartienne pour que vous puissiez cotiser par son intermédiaire. Ouais, imaginez, j'ai un pain devant moi, avec ça on va vouloir faire le hérouv pour toute la cour. Je veux le faire acquérir pour tous les voisins. Alors, et c'est très important de définir, est-ce que c'est un zrout 100% ou il y a quelque chose de contraignant dans l'histoire? Et c'est là la différence. Hérouv Hatzerot, la Mishnah va nous l'expliquer ensuite, Rabbi Yehuda, il va nous dire hérouv Hatzerot, c'est 100% bénéfice. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas de hérouv, chacun reste enfermé, personne ne peut faire sortir ses affaires qui sont chez lui dans la cour commune. D'accord? Donc c'est une contrainte de ne pas la faire de hérouv. Si toutefois on décide de faire un hérouv, alors là, c'est le kiff. On va pouvoir maintenant se promener dans la cour tous ensemble, faire sortir les jouets qu'on a à la maison pour aller jouer dans la cour. Donc c'est un avantage, 100% avantage. On pourra faire le hérouv sans concerter les gens pour qui on le fait. Par contre, hérouv troumine, le fait de désigner que maintenant
Tiens, on va. Je vais te mettre un hérouve à la sortie de la ville pour que tu puisses partir 2000 amas supplémentaires. Par exemple, vous vous rappelez, il a dit, j'habite à Ramoth, à la sortie de Jerusalem, on va mettre à 2000 amas un hérouve, comme ça on va pouvoir marcher 4000 amas, partir jusqu'à Kever Shmuel HaNavi, par exemple. Je sais pas. D'accord, imagine. Donc maintenant, j'ai mis un hérouve là-bas. Et j'ai dit, ah, tu sais quoi, je vais le faire acquérir à tous les voisins, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut aussi en profiter. Et ben ça marche pas. Pourquoi? Parce que si j'ai un voisin hein, qui comptait en fait partir de l'autre côté de la ville, et partir là-bas, sortir à 2000 amas, jusqu'à 2000 amas de l'autre côté de la ville. En faisant le hérouve au nord, je l'ai bloqué qu'il ne pourra plus sortir au sud. Ah, c'est vrai qu'il y a un avantage pour partir au nord, mais c'est aussi une contrainte pour partir au sud. Je ne peux pas vous faire acquérir, je ne peux pas faire acquérir au voisin un hérouve sans le concerter, un hérouve trop mine. Ok? C'est le principe. Si c'est un zroute, 100% bénef, alors on acquiert sans consulter. S'il y a une part de contrainte, malgré tout, alors là, il faut nécessairement concerter et on ne peut pas faire l'acte d'acquisition si on ne le concerte pas auparavant. Et donc maintenant, on va lire la Mishnah, on va traduire. La Mishnah m'enseigne, on ne peut faire un hérouve à quelqu'un que si on le concerte, on se concerte avec lui, que midato, avec son accord, son aval. Amar Rabbi Yehuda, il a précisé Rabbi Yehuda, dans quel cas je t'ai demandé de lui demander son avis? Je t'ai requis de lui demander auparavant son avis, son aval. Be'eruv trumin, dans l'eruv trumin, dans l'eruv par lequel on va pouvoir sortir de la ville. Aval, be'eruv chatzot, par contre, s'il s'agit d'un eruv chatzer, du eruv pour pouvoir sortir les objets qui sont dans la maison jusqu'à dans la cour commune, me'arvin le dato ve'shelo midato, on pourra faire le eruv avec son accord, ou même si on n'a pas eu son accord, pas qu'on va contre sa volonté, mais si on a, même si on n'a pas eu son accord, explicitement, eh bien, on pourra faire le hérouv sans le consulter. Pourquoi? Les fiches Zachin la Adam, Shalom Efanav, car, de manière générale, on peut faire un zrout, on peut faire un acte d'acquisition bénéfique pour quelqu'un, Shalom Efanav, même si ce n'est pas dans lui, même si on ne se concerte pas avec lui. Par contre, Ven Chavin la Adam et le Shalom Efanav. Mais on ne peut pas faire quelque chose de chauve, un chauve, quelque chose qui est contraignant pour quelqu'un, si on n'est pas devant lui, si on ne le concerte pas auparavant. Il faut nécessairement lui demander son avis pour pouvoir faire fonctionner le kinyan. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.